Chers amis, merci de vous retrouver ici au temple Wollon à La Haye. Aujourd'hui, on est le 2 août 2020. Beste vrienden, fijn dat u er weer bent hier in deze Waalse kerk in Den Haag. Zoals gebruikelijk weer een soortement kerkdienst. We hopen dat we een gezegend samen zijn mogen meemaken. Comme d'habitude, un genre de culte. Espérons que nous aurons un culte bénéfique. Le Seigneur est là. Le Seigneur nous unit. Le Seigneur nous rappelle. Le Seigneur est parmi nous. De Heer is onder ons. Hij brengt ons samen. Hij is met ons. Aan het begin wil ik een stukje lezen uit de Bijbel, een psalm, te weten psalm 121. Eerst in het Frans en daarna in het Nederlands. Je lève les yeux vers les montagnes. Qui pourra me secourir? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Qui t'empêche de glisser? Qui ne dorme pas ton gardien? Non, il ne ferme pas les yeux, il ne dort pas, le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien, le Seigneur te protège, il est auprès de toi. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas. Pendant la nuit, la lune ne te fera aucun mal. Le Seigneur te protégera de tout mal, il veillera sur ta vie. Le Seigneur veillera sur toi, depuis ton départ jusqu'à ton retour, dès maintenant et pour toujours. En dan nu de psalm in het Nederlands, psalm 121, een pelgrimslied. Ik kijk naar de bergen. Van waar zal er hulp voor mij komen? De hulp komt mij de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. De Heer voorkomt dat je struikelt. Hij waakt over je. Nooit verslapt zijn aandacht. Nooit slaapt of sluimert hij. Hij waakt over Israël. De Heer zal je beschermen. Hij gaat met je mee. De Heer geeft je schaduw. Overdag zal de zon je niet steken. 'S Nachts de maan je niet ziek maken. De Heer houdt het kwaad op een afstand en neemt je in bescherming. Waar je ook gaat of staat, de Heer waakt over je. Nu en altijd. Dernière fois, chers amis, je vous ai parlé de cette cage d'or que nous aimons bien construire autour de nous et dans notre imaginaire. Je dirais même que l'être humain est un drogué de soucis. Saviez-vous que, d'une manière générale, 90 à 95% de nos soucis ne se réalisent même pas? De vorige keer, vrienden, heb ik u iets verteld over die gouden kooi die we om ons heen bouwen of in onze imaginaire denkwereld opzetten. Je zou kunnen zeggen dat de mens verslaafd is aan het zich zorgen maken. Wist u dat 90 tot 35% van onze zorgen helemaal niet eens uitkomen? Aan doodgetermen
nous permettons une place énorme dans nos têtes à des illusions négatives. En fait, pour rien, tout ça. Donc nous sommes vécus par nos inquiétudes. Le drogué de boulot croit trouver son bonheur et la fin de sa solitude dans l'exercice frénétique de son travail. Conclusion, nous ne sommes pas libres. Met andere woorden, we geven een enorme plaats in onze hoofden aan illusies, negatieve illusies. En het dient eigenlijk allemaal nergens toe. Eigenlijk worden we geleefd door onze bezorgdheden. De workaholic denkt dat hij zijn geluk vindt en het einde van zijn eenzaamheid in heel fanatiek en hard te werken. De eindconclusie is dus, wij zijn niet vrij. Nous créons notre cage d'or avec nos soucis et inquiétudes en essayant de les résoudre. Nous avons donc cette illusion de contrôler notre vie. Nous sommes possédés par cette fausse idée que nous sommes libres dans la mesure de notre possible. Dus met onze zorgen creëren wij een gouden kooi. En we proberen onze zorgen op te lossen door die illusie dat we op die manier ons leven kunnen controleren en beheersen. Eigenlijk zijn we bezeten door een vals idee dat we vrij zijn, zover we dat dan zelf kunnen oplossen. Jésus, tout de suite au début de son ministère terrestre ici-bas, il a averti ses disciples en disant: ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous avez besoin pour habiller votre corps. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné en plus. Jezus aan het begin van zijn aardse bediening heeft direct zijn discipels gewaarschuwd. Maakt u geen zorgen over wat jullie zullen eten of drinken, of waarmee je lichaam zult kleden. Jullie hemelse Vader weet allemaal wel dat jullie dat nodig hebben. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Notre Seigneur, chers frères et sœurs, ne mâchez pas ces mots. Il va tout droit au but. Tu ne peux pas servir deux maîtres en même temps. Qui est le maître dans ta vie? La peur, les inquiétudes, les soucis d'un côté, ou cette foi d'enfant de l'autre côté? Donc une foi simple, pure, solide, que Dieu va pourvoir à nos besoins et qu'il faut poursuivre l'amour céleste, qu'on est destiné à vivre cet amour dans notre existence. Onze heiland spaart zijn woorden niet. Hij gaat direct op zijn doel af. Je kunt geen twee meesters tegelijkertijd dienen. Wie is de meester in jouw leven? Wie beheerst jou? Is het angst, bezorgdheden, zorgen aan de ene kant? Of het geloof als van een kind aan de andere kant? Dus een puur geloof, simpel geloof, solide geloof. Dat God in onze behoeften zal voorzien. Dat we eigenlijk zijn bestemd om de hemelse liefde te zoeken en daaruit te leven in ons bestaan. L'Évangile nous propose cette liberté-là. L'Évangile brise les chaînes qui nous emprisonnent dans nos peurs. Nous croyons opter pour la solution la moins douloureuse ou la moins difficile pour vivre notre vie en nous isolant dans une cage d'or. En fait, c'est un cul-de-sac. Nous ne sommes pas créés pour terminer notre vie de cette façon-là. Het Evangelie stelt ons de vrijheid voor. Het Evangelie wil de ketenen breken die onze angsten
in ons hebben. Wij opteren voor de oplossing die het minste pijn doet, die het minst moeilijk is, door ons af te zonderen, te isoleren in een gouden kooi. Maar uiteindelijk is dat een doodlopende weg. We zijn niet bestemd op deze aarde om zo te leven. L'apôtre Paul, dans son épître aux Galates, au cinquième chapitre, écrit, et là on ne peut pas plus clair, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. De apostel Paulus, in zijn brief aan de Galaten, die we de afgelopen zondagen steeds behandeld hebben, in het vijfde hoofdstuk schrijft daar, en kan niet duidelijker, Christus heeft ons bevrijd, opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd de stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Donc le Christ nous a affranchi. Là, il faut prendre en considération ce que l'apôtre nous a écrit par rapport au lien intime et indissociable entre le Christ et le croyant. Le texte clé de cette épître aux Galates se trouve au deuxième chapitre, au verset 20, où l'apôtre nous dit « J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Dus Christus heeft ons bevrijd. En dan moeten we wel in consideratie nemen wat de apostel geschreven heeft over de verhouding tussen Christus en de gelovigen, de intieme band tussen Christus en de christen. De hoofdtekst van de brief aan de Galaten vind je in het tweede hoofdstuk, 20e vers, waar de apostel schrijft: met Christus ben ik gekruisigd, ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Nous devons nous savoir inclus dans la vie, vie en majuscule, dans la vie du Christ ressuscité. Nous n'avons pas un lien de souvenir mémorable avec le Jésus historique d'il y a 2000 ans. Non, notre vie, notre moi, n'a pas une existence indépendante. Notre moi est comme les deux moi entre deux amoureux qui s'embrassent. Het is van belang te weten dat ons leven is ingesloten in het leven, met hoofdletters geschreven, in het leven van de opgestane Christus. We moeten Christus ons niet herinneren als iemand uit een ver verleden van 2000 jaar geleden. Nee, ons ik bestaat niet op zich, maar ons ik is als die twee ikken tussen twee geliefden die elkaar omhelzen. Les deux amoureux s'englobent mutuellement. Le moi de Jésus englobe le mien. Comme le poisson dans l'eau est dans son élément, son milieu naturel, nous le sommes en Christ, notre milieu surnaturel. Dus de twee geliefden omvatten elkaar. Het ik van Jezus omvat mijn ik. En zoals de vis in het water is, in zijn element, in zijn natuurlijke milieu, zo zijn wij dat in Christus. Zeg maar, ons bovennatuurlijk milieu. Le Christ ressuscité, voilà l'importance capitale de la résurrection de notre Seigneur. Le Christ ressuscité nous assure que rien, mais vraiment rien, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie humaine, absolument rien du tout. Et dans l'amour, il y a la liberté, il y a l'absence de peur. De opgestane Christus, vandaar de belangrijkheid van de opstanding van onze Heer,
De opgestane Christus verzekert ons dat niets, maar er ook werkelijk niets, ons kan scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus. Nog dood, nog leven, helemaal niets. En in de liefde is vrijheid en bestaat er geen angst. En tant que chrétien, nous sommes pleinement libres. Christ nous a affranchis pour la liberté. Comme je vous ai dit déjà plusieurs fois, il est notre point de départ, notre boussole, notre frère siamois, si j'ose m'exprimer ainsi. Alors, en toute liberté, focalisons-nous sur lui. Et ce dont nous avons besoin nous sera donné par sa croix. Als christenen, bewuste christenen, zijn wij vrij. Want Christus heeft ons bevrijd tot die vrijheid. Hij is, ik heb het al een aantal keren mogen vertellen, hij is ons startpunt, onze basis, of, ook al klinkt het misschien een beetje oneerbiedig, onze Siamese tweelingbroer. Dus in alle vrijheid is het goed om je te richten, met onze mind, op hem. En wat wij nodig moeten hebben, waar we over ons zorgen zouden kunnen maken, wat we nodig hebben, wordt ons bovendien geschonken. Apprends-nous, Seigneur, à dire merci. Merci pour le pain, le vent, la terre et l'eau. Merci pour la musique et pour le silence. Merci pour le miracle de chaque jour. Merci pour les gestes et les mots de tendresse. Merci pour les rires et les sourires. Merci pour tout ce que nous fait vivre. Malgré les souffrances et les détresses. Merci à tous ceux que nous aimons et qui nous aiment. Et que ces mille merci se transforment en une immense action de grâce quand nous nous tournons vers toi, la source de toute grâce et le rocher de notre vie. Merci pour ton amour sans limite. Merci pour la paix qui vient de toi. Merci pour la liberté que tu nous donnes. Avec nos frères et nos sœurs, nous proclamons ta louange pour notre vie qui est entre tes mains, pour nos âmes qui te sont confiées, pour les bienfaits dont tu nous combles et que nous ne savons pas toujours voir. Dieu bon et miséricordieux, que ton nom soit béni à jamais. Amen. Chers amis, merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Comme d'habitude, vous pouvez toujours liker en appuyant sur le pouce levé. Vous pouvez vous abonner sur notre chaîne. Ce sera apprécié si vous montrez votre gratitude envers ce genre d'émission. Uiteraard kunt u abonneren op ons kanaal. U kunt nog het opgeven vingertje, wat zeg ik, opgeven duimpje, kunt u klikken. Laten zien dat u erbij bent, dat u het gevolgd hebt, dat u het leuk vond. We hopen de volgende keer weer te mogen ontmoeten. Ik wil afsluiten met wat dan heet de zegen. J'espère vous retrouver une prochaine fois sur cette chaîne et nous concluons avec la bénédiction telle que nous la trouvons dans la première épître de l'apôtre Pierre. Dus de zegen zoals we die vinden in de Bijbel, in de eerste brief van de apostel Petrus. En die luidt als volgt, en français. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Nederlands. De God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerschappij, hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten.
Hem zij de kracht in alle eeuwigheid. Amen.